Nous avons tous en mémoire ces images des inondations qui se sont déroulées à Rombas ces dernières années, comme ici rue Chantereine, à l'entrée du Fonds Saint-Martin ou au quartier Poincaré. Des inondations dues à des conditions météo exceptionnelles, mais peut-être aussi à des configurations de terrain ou d'évacuation des eaux de ruissellement inadaptées. Alors, pour essayer de limiter au maximum d'éventuelles nouvelles inondations, la ville, en concertation avec ses différents partenaires, a fait réaliser des travaux dans plusieurs quartiers de Rombas. C'est le cas au Fonds Saint-Martin avec la création de ce fossé de récupération des eaux, au quartier de la rue de la Forêt à l'entrée de Rombas, où là aussi des nouveaux fossés de réception des eaux pluviales ont été réalisés, ou encore au quartier Poincaré avec l'entretien et la canalisation du ruisseau du Gros juste avant son entrée sur les terrains d'ArcelorMittal. Des travaux importants qui devraient donc favoriser une meilleure évacuation des eaux dans les zones à risque de la commune.